Good morning. My name is Stan Pickthall. I'm the General Vice President of the Machinist Union for Canada. And I came here today so we could talk about contract flipping. Contract flipping is one of the biggest problems workers have at Canadian airports. It's a race to the bottom. And I'm going to give you a Coles Notes version of how contract flipping works. Basically, airport contracts are put out to tender by the airport operator, the airport authority. The lowest bidder wins the contract by underbidding the existing service provider. And the collective agreement, of course, is with the existing service provider. So now we have no union collective agreement, and all terms and conditions are gone. Workers don't even have the right to maintain their job in a contract being flipped. And of course, the new contract provider is driven by their profit margins. So the workers are the ones who are paying for this lowest bid, if the company will hire you. A case study, Swissport. The IAM is currently on strike, week four of a strike in Montreal Airport at Swissport. Many of these workers were previously employed by the previous operator, CAFAS, Allied Aviation. Some of them were employed for over 20 years. Prior to 2016 with CAFAS, they performed the same job tasks. They worked in the same work location. They used the same equipment. They made $24 an hour. They had benefits, workplace rights, and a pension. Now, under Swissport, the new operator, they're paid $16 an hour. They have reduced benefits doing exactly the same job. None of the workers wanted to work for Swissport for wages that were two-thirds of what they were previously earning, but many of them had no choice. They had to reapply for jobs they had held for decades. Some of them went looking elsewhere. Workers lost one-third of their wage rate under Swissport. They went from $24 to $16. Those hired went from 4 weeks of vacation to 2 weeks of vacation. They lost their pension plan. They took substandard benefits, which impacts upon the health of themselves and their families. That is why the IAM is here today. We are demanding that the federal government protect workers when a contract is flipped. When they were elected in 2015, Prime Minister Trudeau promised us Liberals would protect and preserve a strong middle class. Well, Prime Minister, this is your middle class. Protect them, preserve them. This is our ask when a contract is flipped. Workers must retain their wages and benefits. Workers must retain fair and reasonable working conditions. They must retain their collective bargaining rights, and they must retain their union representation. It's time to make this right for Canadian workers and their families. Thank you. Merci. Merci. Merci beaucoup, Stan. Ça me fait malheureusement, plaisir d'être ici dans une situation qui est difficile pour une centaine de travailleurs et de travailleuses de l'aéroport de Montréal puis leurs familles. Mais je suis ici avec Stan et puis Guillaume du syndicat des machinistes, avec Louis Chabot du Bloc québécois qui va prendre la parole juste après moi. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on est en solidarité avec ces travailleurs et travailleuses qui sont en grève à l'aéroport Trudeau depuis le 31 décembre. Parce qu'ils sont dans une situation qui est extrêmement singulière et particulière. On a une anomalie avec le Code canadien du travail qui fait en sorte que ces travailleurs-là, ces employés-là, perdent leurs droits systématiquement à chaque fois que le contrat change avec un nouvel employeur. C'est quelque chose d'extrêmement bizarre dans des relations de travail, dans des cadres de négociation de collective pour 2020. Et ce qu'on dit, c'est que ces gens-là ont droit au respect. Ces gens-là ont le droit de garder leur salaire, leurs conditions de travail, puis d'aller de l'avant pour être capable de nourrir leur famille, puis avoir une qualité de vie qui est intéressante. Et ce qu'on voit malheureusement avec ce qu'on appelle en anglais le contract flipping qui existe dans les aéroports du pays depuis des années, c'est une diminution des conditions de travail, puis de la qualité de vie, puis de la qualité de travail de ces gens-là. Stan en a parlé tantôt, il y a des gens, là, il y a quelques années, qui faisaient $24 de l'heure pour mettre du kérosène dans des avions.
avec une série de contract flipping puis de changements d'employeurs, ils perdent leurs droits, ils doivent recommencer à zéro à chaque fois. Aujourd'hui, ces gens-là qui, avant, gagnaient 24 $ de l'heure, gagnent aujourd'hui 16 $ de l'heure. Alors, on comprend que, alors que l'ensemble du reste des employés puis des salariés dans le pays ont des augmentations de salaire année après année pour suivre l'inflation puis améliorer leur sort, ces gens-là voient leur qualité de travail puis leur qualité de vie diminuer. Et on les comprend d'être fâchés, on les comprend d'être en colère, et on les comprend d'être en grève, et on est en solidarité avec eux parce qu'ils sont les victimes d'un manquement législatif. Et ce qu'on dit aujourd'hui à la ministre du Travail, c'est corriger le Code canadien du travail, changer les articles 44 puis 47 pour permettre à ces gens-là de au moins maintenir leurs conditions de travail puis d'être respectés dans leur lieu de travail. Alors, j'espère qu'on va être entendus. J'espère que ces travailleurs-là vont avoir un bon règlement pour être capables de retourner au travail, que la grève va se terminer sur une bonne note. Mais ce qu'on dit, c'est que le gouvernement fédéral a une responsabilité, puis la ministre du Travail a une responsabilité. Changez le Code du travail, Madame la ministre, par respect pour ces travailleurs-là. Merci. Il y a Mme Chabot qui va parler. Bonjour. Bien, écoutez, pour ce conflit-là, c'est un conflit qui dure maintenant depuis quelques semaines et qui passe complètement sous le radar. Pourquoi? Parce que les règles du jeu avantagent indûment l'employeur. On est en 2020. On parle de plus en plus, surtout dans le domaine du transport, des règles de sécurité. Des sécurités, oui, pour les personnes qui prennent l'avion, mais la sécurité aussi pour les travailleuses et les travailleurs qui, au quotidien, font ce travail-là. Les règles du jeu avantagent indûment l'employeur pour deux raisons. Les clauses de renversement de contrat, ben, à notre avis, là, c'est d'une autre époque, puis il faut vraiment changer les règles du jeu. Imaginez-vous, puis au Québec, ça ne serait pas permis. Imaginez-vous, on change de contrat, le plus bas soumissionnaire. Tu perds ta job, tu perds tes droits, tu perds ton ancienneté, puis en même temps, tu retravailles après avec les mêmes outils, dans la même entreprise, puis avec les mêmes fonctions pour des salaires moindres. C'est pas compliqué, ça ne devrait plus être possible. Les travailleuses et les travailleurs, dans nos aéroports, particulièrement le Trudeau et Mirabel, sont victimes, effectivement, de laxisme qu'il y a eu au niveau du Code canadien du travail. Fait que oui, on est solidaires de ça parce qu'on a un rôle à jouer ici comme parlementaire à Ottawa. Ça relève totalement de notre juridiction, puis on va interpeller rapidement. Il y a eu une réforme du Code canadien du travail dans la dernière législature, mais ces demandes-là ont tombé. Deuxième chose qui fait défaut au niveau de nos lois du travail ici au Canada, la loi anti-briseur de grève. Ici, là, on pourrait s'en foutre. Le conflit pourrait durer des semaines, des mois, parce que ce serait permis, effectivement, qu'on puisse ravitailler les avions à partir de SCAB. Puis ça, pour ça, le Bloc québécois, là, à peu près 10 fois dans son parcours, a demandé une modification législative pour interdire et mettre en place une loi anti-briseur de grève. Fait que deux raisons. Mais une raison fondamentale, c'est travailleuses et travailleurs de la maintenance à Swissport méritent mieux. On doit reconnaître leur travail. Ce sont des travailleurs d'expérience qui ne méritent pas de se faire barouetter comme ça, puis de ne pas avoir de perspective pour leur prochain contrat, que leurs conditions vont être maintenues indépendamment de ce qui va arriver. Fait que solidarité, puis que comme responsable du dossier de travail, de l'emploi, de la main-d'œuvre, je vais m'assurer que le travail soit fait pour qu'on modifie ce qui est actuellement à modifier, puis qui est simple. Merci. Bonjour, Guillaume Valois, représentant du syndicat des machinistes. J'aimerais remercier Alexandre et puis Louise de se joindre à nous pour décrier la situation. Je ne vais pas refaire le portrait, je vais juste ajouter à ce qui a été dit auparavant. Dans le fond, la centaine de travailleurs de Swissport sont le cas typique de ce qu'on ne veut plus voir dans les relations de travail au Canada. Tout d'abord, eux, victimes d'un contract flipping, ont vu leur conditions de travail complètement dévastées
des années de négociations de conventions collectives avec des acquis durement gagnés, effacés du revers de la main parce qu'un nouvel employeur occupe la place, récupère un contrat et dicte comment ça va se passer, sans tenir compte de ce qui était fait auparavant. Ensuite de ça, bien, en grève depuis le 31 décembre, ces gens-là n'ont pas le sentiment d'être appuyés par leur gouvernement parce que l'employeur a la possibilité de recourir à des travailleurs de remplacement. Ce qui fait qu'en ce moment, Swissport n'est pas pressé, il n'y a pas de sentiment d'urgence pour en arriver à un règlement. Et puis, il ne sent pas non plus le besoin de donner un contrat de travail qui va refléter ce que les gens font sur le terrain, ce que les gens font au quotidien dans les aéroports. Donc, ce qu'il faut, c'est changer les choses pour amener plus de sécurité, plus d'équité et plus de respect des travailleurs. Et puis, je terminerai en disant, là où la justice et l'équité prend fin, la tyrannie commence. Est-ce que le Parti libéral du Canada est du côté des tyrans ou du côté de la justice et de l'équité? Bonjour. Juste pour être clair. À qui vous adressez la question? Parce que là, il y a un micro. Quiconque veut. Ben, peut-être M. Boulris ou Mme Chabot, là, un des deux. Je veux juste comprendre qu'est-ce que vous demandez exactement à la ministre du Travail. Est-ce que c'est justement d'ajouter une disposition anti-briseur de grève et la clause de renversement de contrat? Vous demandez ces deux choses-là précisément? Précisément, oui. Modification au Code canadien du travail de deux articles, précisément, qui va venir empêcher qu'en cas de renversement de contrat, que les conditions tombent. Et l'autre chose, de mettre en place une loi anti-briseur de grève. Deux modifications au Code canadien du travail. Et qu'est-ce que vous allez faire, les deux parties, pour vous assurer que ça se passe? Bien, premièrement, dès aujourd'hui, je poserai une question en chambre pour parler du conflit et demander ces modifications-là. Et au niveau du travail, on a les mécanismes en place ici pour se mettre au travail, amener une question des mandats d'initiative qu'on appelle en comité pour régler les modifications au code. Il y a un travail de parlementaire, mais aussi de comité. Vous avez mentionné que ça ne serait pas possible au Québec d'avoir ce contract flipping. Est-ce que vous voudriez qu'on s'inspire du Québec, par exemple? En tout cas, le code du travail québécois, effectivement, nous, on appellerait ça aussi des fermetures déguisées d'entreprises, je peux me permettre. Puis dans ce cas-là, quand on est capable de démontrer, c'était fait par la jurisprudence, que c'est le même employeur, que tu utilises les mêmes outils, puis que c'est les mêmes fonctions, ce serait dénoncé. Fait que oui, on pourrait s'inspirer de ça pour, dans le fond, attacher, en tout cas, avoir le même objectif au niveau du Code canadien. Vous avez mentionné qu'il y a déjà eu une réforme du Code du travail, mais que ces dispositions n'ont pas fait partie de la réforme. Pouvez-vous expliquer comment ça s'est déroulé? Je pense que tous les ministres sont capables d'avoir des initiatives législatives. Hein. Ils contrôlent l'ordre législatif, le dépôt des projets de loi. Donc, oui, nous, on peut décider qu'on dépose un projet de loi privé d'initiative parlementaire pour avoir une loi anti-briseur de grève, par exemple. Le Bloc l'a fait à plusieurs reprises dans le passé. Le NPD, on l'a fait à plusieurs reprises dans le passé. C'est pas nécessairement toujours le processus qui est le plus efficace. Des fois, le processus le plus efficace, c'est d'aller parler directement à la ministre ou au ministre puis de lui dire, tu as un travail à faire. Si tu veux être un bon ministre du travail, là, voici les choses qui vont faire en sorte que tu vas améliorer le sort des travailleurs, des travailleuses, puis tu vas avoir des règles justes et claires pour la négociation des conventions collectives. Ça fait que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la balle est dans le camp de la ministre du Travail. Elle peut décider par son propre initiative d'amener des changements législatifs puis réglementaires en Chambre. Il peut y avoir des travaux en comité qui se font, mais je pense que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est regardez cette situation-là. Il y a une anomalie, il y a une exception dans les manières qu'on règle les conventions collectives puis les lois du travail. Réglez ça. Vous êtes un gouvernement minoritaire. On est ici pour un an et demi. Ça, c'est la meilleure chose que vous pourriez faire avec votre mandat. Puis vous allez avoir l'appui de deux partis d'opposition qui vont dire, effectivement, voici des choses qui pourraient progresser. Alors, la ministre, elle peut prendre cette initiative-là. Elle a le pouvoir de le faire. Sinon, elle va faire quoi comme ministre du Travail? Ça serait quoi ses autres priorités? Vous avez aussi mentionné qu'on parle d'une situation particulière. Évidemment, on parle du cas des machinistes dans ce cas particulier ici. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est un problème qui est répandu à travers la société canadienne? Est-ce qu'il y a d'autres travailleurs, d'autres secteurs qui sont touchés également par ces mesures? C'est particulièrement le secteur des aéroports qui sont touchés. C'est pas si étendu que ça. C'est justement pourquoi cette exception-là est d'autant plus intolérable. Je
dirais que pour la loi anti-bizarre de grève, ça touche l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de juridiction fédérale. Sur un autre sujet, M. Boulris, le gouvernement fédéral devra indiquer s'il approuve le projet Tech Frontier. En même temps, il veut se doter de cibles plus ambitieuses pour 2030. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Écoutez, je pourrais reprendre le titre de la première page du Journal de Montréal récemment, « Good luck, mister », parce que c'est la quadrature du cercle. Comment vous pouvez avoir des cibles plus ambitieuses de réduction de gaz à effet de serre pour 2030, puis approuver un projet de mine de sable bitumineux qui va faire exploser nos émissions de gaz à effet de serre. Si on était sur la bonne voie pour respecter l'accord de Paris puis qu'on avait une marge de manœuvre, on pourrait en discuter, on pourrait voir. Mais là, pour l'instant, avec les informations qu'on a, ça semble impossible de concilier les deux. Est-ce que vous voyez un peu, vous avez un sentiment déjà vu avec Trans Mountain, par exemple? Bien, les libéraux sont capables de parler des deux côtés de la bouche en même temps. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça va être le premier test pour Stephen Guilbeault, là, au cabinet. Bien là, il y a déjà eu quelques tests, M. Guilbeault. Il est devenu promoteur de pipeline avec l'expansion de Trans Mountain. Je suis pas sûr que c'est exactement pour ça que les gens du plateau Mont-Royal l'avaient envoyé ici au Parlement. Mais on verra comment il va réagir avec ces nouveaux projets-là, effectivement. J'ai hâte de lui poser la question. Juste pour revenir sur le sujet de la conférence de presse, peut-être M. Valois... Je voulais vous demander, le conflit, ça fait déjà 4 semaines qu'il dure. Exact. Je me demandais, on peut s'attendre à ce qu'il dure combien de temps? Comment vous voyez la suite des choses? Bien, depuis le déclenchement de la grève, là, l'employeur s'est joint à la médiatrice puis au comité de négociation là, de la section locale 2301 à 3 reprises. La première rencontre après le déclenchement de la grève, c'était vraiment un moment où le syndicat a présenté ses propositions. À ce moment-là, on s'attendait à ce qu'il y ait une offre sur la table qui venait de l'employeur. Cette offre-là, on l'attend toujours. C'est comme je disais tantôt, il n'y a aucun sentiment d'urgence en ce moment du côté de l'employeur, parce qu'il peut recourir à des cadres. Si vous allez voir sur les sites de recherche d'emploi comme Indeed, vous allez voir qu'ils ont ouvert des postes pour des agents de ravitaillement à Montréal-Trudeau à 17 $ de l'heure, ce qui est 1 $ de plus. Qu'est-ce que prévoit la convention collective qui a échu en août dernier? Ce sont des fiables, là, c'est vraiment... c'est ce qu'on cherche. J'imagine, du côté de Swissport, c'est ce qu'on cherche. On veut remplacer les travailleurs syndiqués par des fiables. Donc, on peut s'attendre à ce que la grève continue, là, un peu sous le radar? Bien, on le souhaite pas, mais ça pourrait. Ce serait quoi le pire scénario, à votre avis? Bien, le pire scénario, c'est une guerre d'usure qui a lieu en ce moment. Fait que le pire scénario, c'est que le gouvernement abandonne des travailleurs de la classe moyenne. Vous parlez de l'impact que ça a eu sur vous et vos collègues au niveau personnel? Au niveau personnel, bien moi, je ne suis pas ravitailleur d'avion. Évidemment, dans une grève, il y a une part de sacrifice qui doit être assumée. Là. Mais dans les circonstances actuelles, peut-être qu'il y a un peu de... Je ne serais pas surpris que dans leur sentiment, leur perception, ils se sentent un peu abandonnés, justement. C'est quand on réalise que les lois, supposément, être là pour encadrer une juste négociation, puis qu'il faut être là pour amener les deux parties à trouver le meilleur des règlements, bien, finalement, l'avantage l'employeur. Je pense que tu as une part de désillusion qui finit par s'installer, tu sais. Puis je pense que c'est... Ça peut aller jusqu'à le cynisme envers la politique, l'impression que la démocratie, ça peut aller assez loin. Dernière question? C'est ça, on a déjà demandé comment vous alliez interpeller la ministre à cet effet-là. Vous, est-ce que vous avez fait des démarches? Il y a eu des démarches qui ont été faites. Il y a eu une lettre qui a été adressée au ministre Garneau et à la ministre Tassi, je crois, au début janvier. Dans cette lettre-là, on disait sensiblement la même chose qu'on est venu vous dire aujourd'hui. Il y a deux problèmes, là. Il y a deux éléphants dans la pièce du Code du travail au Canada. Puis c'est le contract flipping, puis l'absence de mesures anti-briseurs de grève. Avez-vous une réponse? Non. Et d'accusé de réception? Non. Vous avez voulu rencontrer absolument, aujourd'hui? Absolument.
on est là pour trouver des solutions et non pas pour jeter le blâme sur qui que ce soit. Merci. 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 Merci.